Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait du Kingdom Newlands. Comme tous les mardis. Midi. Peut-être que je vous manque le son. Bureau qui est en bazar, j'ai une tonne de fenêtres ouvertes. Parce que j'étais en train de faire autre chose en même temps. Allez, alors, du coup. Ça. Je fais. Le petit instant qui rame. Voilà, ça charge. Et en avant. Parfait. Donc on avait dit qu'on était sur... On vient juste de débarquer sur l'île. Sur l'île 2 pour continuer à débloquer des trucs. Et on va explorer à la droite de l'écran. Et on a un camp de marchands puisqu'on est sur l'île 2, puisque sur l'île 1 et sur l'île 2, pour nous aider à démarrer, il y a un marchand qui nous donne de l'argent. Une fois par jour. Voilà, voilà. Le petit fantôme qui me suit pour me dire que le campement est de l'autre côté. Je sais que le campement est de l'autre côté, petit fantôme, j'y suis déjà allé. Jeter le truc pour débloquer la carte comme ça si on meurt comme des andouilles. C'est pas grave. Là on a un ermite mais on sait pas lequel c'est parce que bien sûr il y a plusieurs ermites. Ah d'accord, les deux portails sont juste l'un derrière l'autre, c'est bon. Ça doit être bien. Il y a plusieurs ermites et chacun d'entre eux... Et chacun d'entre eux, bien sûr, a exactement la même maison, ce qui fait que quand on essaye d'ouvrir la maison d'un ermite, une fois sur deux, on tombe pas sur la maison de l'ermite qu'on voudrait. Voilà. Ah. Du coup, le ponton est de l'autre côté, ce qui nous arrange pas, parce que le bateau, du coup, est pas du côté du ponton. Ce qui va être pénible. Pas d'argent. Il y a le petit boulanger aussi, ça va être pratique. Essayer de se barrer vite fait. Et du côté gauche, on a un chien. La statue pour les fermiers, qui ne nous sert pas pour l'instant. Qui ne peut pas nous servir parce qu'on va juste essayer de se barrer vite fait. Mais je suis même pas sûre qu'il y ait un portail de l'autre côté, on ira explorer. Quand il fera jour. Je me demande s'il y a un paramètre. Non, il n'y a pas de paramètre pour garder
truc en marche quand la fenêtre a pas le focus. Parce que ce serait pratique quand même. Des chasseurs pas efficaces du tout. Fort ennuyeux ça. Oh là! Bah, on va essayer de pas décéder à cause d'un petit monstre. Hein. Ah oui! Du coup, vu qu'on a le cerf, on va pouvoir faire la strat de. C'est ça. Ramenez-vous. On a besoin d'argent. Eh ben. Tu me jettes pas les pièces d'or. Ok, tu les as mangées définitivement. Soit. Ah, quand même. Hop. Le marchand qui donne un peu de pognon. Sinon, on va aller explorer à gauche. Donc à gauche, a priori, il y a un petit portail. Donc il va falloir quand même faire des chevaliers pour casser le petit portail avant de se barrer. Oui, on va... Un coffre. Ça nous arrange. Hop. Un cerf. Le petit portail. Les petits camarades qui nous rejoignent. Bon ben... Le pop des campements de péons étant absolument infâme sur cette île. Le fait d'avoir le boulanger va nous arranger, comme ça on va pouvoir attirer les petits péons, ça sera plus simple. Walou walou. Ah, vous êtes là. Ben, du coup, vous allez pouvoir casser ça. Voilà, parce que vous êtes juste à côté. Ouais. Et ça aussi. Voilà. Hop. On va prendre le chien avec nous. Fait de la compagnie, c'est bien. On améliore le campement, bien sûr. Ah, un peu de pognon. Pognon sur la falaise. Sniper, voilà, parfait. Voilà, et nos petits potes les builders qui ont cassé tous les arbres qui traînaient. Ça nous arrange. Oh là! Comme ça, il n'y a plus de monstres pour la nuit et on va pouvoir voir. Parfait. On va agrandir le terrain de chasse encore et toujours.
Donc, peut-être le marchand qui nous donne de l'argent. Voilà, comme ça on va voir le banquier, ça sera plus pratique aussi. Parfait. Parfait, parfait. Faut attendre que la cabane, que notre champ, notre campement soit améliorable, parce que si on l'améliore, ça va lancer automatiquement la construction des murs extérieurs et de tourelles intérieures, donc ça nous évite d'utiliser de l'or pour le faire. Étant donné que pour l'instant on est un peu rack pour pognon. Peut-être mieux. Builder. Voilà, parfait. À gauche, du coup, on a un très grand terrain de chasse, ça nous arrange. Puis quand les petits chevaliers auront détruit le portail, ça sera pratique. Du coup, on pourra y mettre plein de fermes. Ah, parfait. Allez, les builders. On se rebue. Ben builder, c'est qu'on se promène. Bon, je vais me mettre de l'autre côté. Ça, si jamais les petits monstres qui arrivent, je leur donnerai de l'argent et ils nous laisseront tranquilles. Allez, on court à la maison. Non, c'est pas encore la nuit, c'est ça? Donc... Voilà, parfait. Super, on a perdu une pièce d'or. Ce qui est bien, c'est qu'avec les montures, quand on marche, on va presque à la vitesse des petits bonhommes qui courent. Ah, bah oui, super. Bravo les builders, on commence par construire les tourelles des archers. Ah, oh, cool. Le mur de l'autre côté était construit, c'est parfait. Peut-être même pas besoin d'argent. Un pec. Eh bien, c'est un pec. Le mur qui arrive pile poil au bon moment. Voilà. Pas la peine de s'inquiéter. Donc du coup, on va faire une boulangerie de ce côté-là. En essayant de pas mettre trop d'argent partout. Et le banquier, tu nous ramasses de l'argent et nous on va courir après les chasseurs qui se sont barrés avec le pognon. On a de l'argent. Merci. Voilà, bien sûr on en sème parce qu'on aime bien gaspiller. Thank you.
Allez, Builder. On se bouge. Envoie le marchand. Nous attraper des trucs. Parce que c'est quand même bien pratique. Bon, sachant que sur la dernière île, on avait débloqué la dernière fois quelque chose, un nouvel ermite. Ce qui n'est pas pratique parce que du coup, comme on ne peut pas reconnaître les ermites entre eux, nous, ça ne nous arrange pas. Et qu'en plus l'ermite qu'on a débloqué, ben je trouve pas si puissant, en tout cas pas en début de partie, pas avec ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire tout débloquer pour l'instant. Mais sur la dernière île, il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour nous. Ça sert à rien de courir, banquier, il n'y a plus d'argent ici. Voilà, t'arrives, on a déjà tout ramassé ce qui traînait par terre. Allez, on a notre boulangerie, on va faire des petits pains, ça va attirer les petits péons. Comme ça attire les petits péons, on va pouvoir avoir plus de péons parce que pour l'instant ils sont un peu loin. Et en plus, il y en a un qui est derrière un portail. Allez, vous avez bien chassé. Est-ce que le boulanger va rentrer chez nous? Telle est la question. C'est le non-darwinisme en général, hein, chez ces personnages, c'est... C'est terrible. On va le prendre avec nous quand même, parce que... Si on pouvait partir de l'île avec, pour l'avoir sur la prochaine île, ça serait sympa. Encore de l'argent? Parfait! Comme ça, on en met partout, voilà! Comme ça, on en verse partout et... Bon, il n'y a eu personne, a priori, cette nuit. Et ça, c'est tant mieux. Pour l'instant, on manque vraiment, vraiment, vraiment de gens à recruter, mais aller chercher, c'est la galère. Ah. Tiens. Salut petit Jean recruté. Ah. Les petits Jean recrutés. Hop. Ça c'était les anciens archers qui nous ont chassé des... lapins, donc ils sont revenus. C'est bon, il y en a 10. On renvoie notre marchand. On
va faire un mur ici parce que sinon on pourra pas envoyer les gens à l'assaut des... du petit portail de gauche. Allez les builders. Oui voilà, bougez-vous parce que si on n'a pas de mur, là la nuit elle va être compliquée. Oh, Mano, j'avais pas vu, excuse-moi. Je crois que mon chat plante. Ouais, c'est ça, mon chat avait planté. Est-ce que... Ah, c'est la derpense, dommage. J'ai changé, je le trouve moins sympa que le renne. Le grand cerf. Je ne sais pas. On a changé juste avant de partir. Non, non, t'inquiète. Si t'as pas vu tes messages dans le chat s'afficher sur la vidéo, c'est moi le problème. Voilà, super. Le boulanger est descendu. Il va peut-être se réfugier à la maison. Et nous, on va aller... donner de l'argent à la statue. Ouais, ou en tout cas, essayer de pas mourir sur les petits mobs, ils sont combien? 3. Gardien. On va voir 25 000. C'est tout? C'est tout. On va les donner de l'argent à la statue des archis. Ouais, il est super beau, puis je le trouve tellement plus pratique, quoi. Le cheval en armure, il permet juste de rendre invulnérables les gens pendant un petit laps de temps. Je crois qu'on a perdu le chien. Je pense qu'on a encore perdu le chien. Je passe mon temps à perdre ce pauvre chien. Ok, le boulanger est là et ça c'est une bonne nouvelle. Les petits potes, non, il n'y en avait aucun qui était caché derrière le mur. Attendez, vous barrez pas. Ok, d'accord. Vous aviez pas du tout d'argent sur vous. Eh ben écoutez, on va essayer d'attaquer le petit portail avec juste ça comme, comme équipage. Ça devrait suffire, on verra. Que nos archers sont des gros snipers, ça devrait le faire. Hop, un petit pote qui sera attiré par l'odeur du pain. Comment ça va, Moineau? J'ai oublié de te demander, tu te lèves juste tu t'es levé plus tôt ce matin? Oh là là, c'est super loin quoi. Le portail est méga loin. Voilà, on y est enfin. Tu perds un petit pote sur la route. Pièce d'or pour toi, petit pote. Juste deux fois plus longtemps que d'habitude vu qu'ils sont tout seuls, mais comme ils ont le truc qui les fait viser droit, c'est pas non plus trop catastrophique. Vite.
Ah, cool. Ça s'est bien passé, ton rendez-vous, du coup? Enfin, désolé que tu aies été obligé de te lever tôt, parce que... C'est jamais agréable de se lever tôt. Vous avez de l'argent, c'est impeccable, on en a besoin. Là, on va moins rigoler parce qu'il va y avoir une grosse vague. On a vraiment personne, personne. On va refaire des builders. Parce qu'on va avoir besoin d'une catapulte. Ah ben, j'ai plus d'argent. Là, il peut plus arriver de monstres. Et de l'autre côté, si. C'est bon. On s'en est sorti. Parfait. On va attendre le début de la journée, que le marchand veuille bien nous donner de l'argent. Merci, s'il vous plaît. Ouais. Ah, c'est peut-être parce que c'est pas le bon psy. Je sais pas. Moi je suis suivie par un psychiatre. Et la personne que je voyais jusqu'à il y a quelques mois, j'avais pas l'impression que c'était quelqu'un qui écoutait particulièrement ce que je disais. Le banquier qui me couvre d'or, c'est parfait. Voilà. Non, oh là là, il nous a mangé un autre bout de pain. Et du coup là, on va pouvoir commencer à faire ça, voilà. Et moi du coup ça va bien, je suis fatiguée parce que je sais pas, parce que pourtant j'ai pas si mal dormi que ça. Dire que maintenant, à partir de maintenant, on va faire des fermiers. Voyons. Là, vous faites un mur plus solide quand même, s'il vous plaît. On va commencer à faire des fermiers pour voir un peu d'or avec les fermes, ça sera plus simple. D'autant plus qu'on a la statue qui nous permet de faire des fermiers plus efficaces. Voilà, cette statue-là. Non, je voulais pas plus d'argent. Petit pote qui mange du pain.
De l'argent. C'est cool l'argent. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller de l'autre côté. Ah, le marchand qui revient. On va récupérer l'argent du marchand et après on va aller activer l'hôtel des archers. Pour qu'ils continuent d'être des gens efficaces. Allez, en avant. On va aussi en profiter. Je vais garder un peu de pognon. Voilà, pour commencer à construire le bateau qui est pas du tout au bon endroit et que ça ne nous arrange pas. Ah! Tiens! Les potes. Rejoins donc. Notre équipe. Ah, je peux aller. Non, j'en ai que 3. Donc, une PO. Parfait! Pour mettre l'hôtel au dernier niveau. Alors le fait de l'activer niveau 3 ou niveau 1, c'est la même chose. Ou de l'efficacité. C'est juste que du coup, bon, le buff va durer plus longtemps. C'est le boulanger qui est caché derrière le mur. Voilà, et nos potes les fermiers qui ont commencé à ramasser plein d'argent. Ah, il y a une autre ferme là, parfait. C'est parfait. Petit pote. On n'a pas assez d'archers pour aller aussi loin. Et ça, c'est fort dommage. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler le mur extérieur. Comme ça, ils vont dépasser les fermes. Ils vont quand même choper des lapins. Voilà. On va le mettre là. Ça, ils iront chasser entre le mur extérieur et la forêt d'après. Ah, je suis triste, Hendrix, il est pas là. Parce que j'ai dit, il est à Lyon, il est en entretien d'embauche. Hop. Allez, marchand, un peu d'argent, s'il vous plaît. On va demander de l'argent au banquier aussi, comme ça on va aller construire le bateau, on commence. Voilà, et on est parti pour le bateau.
Il nous faut plus d'or. Banquier. Merci. Non, banquier. Banquier. Pas plus, pas plus. Bon. Les builders ils construisent vraiment vite le bateau. Hein. Ok. C'est trop dangereux, on va pas faire ça maintenant. On va aller construire la ferme de l'autre côté. On va faire plus d'archers. Vous avez de l'argent, vous, pas encore. Ça ne saurait tarder. Voilà, quand même. D'argent. Peut-être réussi à faire partir le bateau. Eh, c'est bon, j'ai pas perdu le chien, j'ai juste réalisé qu'il est toujours avec nous. Pour une fois. On va aller d'abord s'occuper du bateau. De se poser la question de s'occuper du marchand, tant pis. Ça, les builders courent et nous, on va chercher un peu d'argent de l'autre côté. Pas plus, pas plus. Si pas plus, tant pis, on va courir. Nice. Ah, on y est presque. Toujours pas? Eh ben. Ça y est, enfin, on va pouvoir faire partir le bateau, histoire qu'il commence à se barrer de l'autre côté. Voilà. Hop, 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 on se bouge.
Il sera probablement à l'abri cette nuit. Donc on est bon. Avoir un peu d'argent. Et on va pouvoir partir bientôt, et ça c'est une bonne nouvelle. Ça va vous... pas où non aujourd'hui. C'est nos archers, ils savent plus tirer. Il va falloir qu'on recharge l'hôtel des archers. On va se taper les petits monstres sur le chemin, probablement, hein, pour changer les bonnes habitudes. Non, parfait, impeccable. On a réussi à le faire sans se taper les petits monstres. Bonne nouvelle!
plein d'argent. Hein. Où est le bateau? Où est le bateau? Il est là. On a encore le temps. L'argent à Roberto le banquier. J'étais pas au bon endroit. Ah bah oui, du coup j'ai plus d'argent à donner aux marchands. Bravo. Merci. Grand aimable. Tiens. D'ailleurs je dis le marchand, mais c'est peut-être pas le marchand, c'est peut-être autre chose, comme le tanneur ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui met des pièges en forêt. Lui suivre à capturer une petite bestiole. Ah. Non, petit pote. Pas de petit pote caché. C'est l'impôt. Coucou Chad. Ah t'es. C'est vert le pseudo aujourd'hui. Comment ça va? À moins que ce soit Mono qui soit légèrement jaune-orange. Ah ouais, c'est la galérance. C'est au niveau de la collection, tu penses? Ou c'est au niveau de l'appli? Beaucoup d'argent. Il est le temps de se sauver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper le boulanger sur notre selle. Et on va aller rejoindre le bateau. Pour partir de cette île maudite. Pas de jaune si tu ne souscris pas, si tu ne souscris pas à Twitch, toutes les options disponibles, parce que si tu souscris à Twitch toutes les options disponibles, il y a plus de couleurs a priori sur les pseudos. On va attendre qu'il fasse jour. Vu que le boulanger il veut pas sortir de la maison. S'il fait pas jour, voilà. Et on se casse avec le boulanger et le chien. Ça change. Oui, le pire c'est que je suis pas sûre que les gens qui ont Twitch Prime changent la couleur de leur pseudo. Ce qui fait que du coup ils monopolisent les couleurs. On va
va essayer de refaire l'astuce de l'autre fois. On pose des pièces. Comme ça, on peut charger le bateau en même temps qu'on a les pièces qui nous retombent dans la bourse. Ce qui fait qu'on a vraiment un max de fric avant de partir. Voilà, d'autant plus que les builders ont ramassé l'argent des biches tuées sur le chemin par les archers. Voilà, et là, on a vraiment beaucoup d'argent et on se casse. Et on sauve la couronne. Qu'est-ce qu'on découvre? Ok, la statue des builders. On va aller sur la dernière île. Parce que j'ai vraiment envie de débloquer le truc qu'il y a sur la dernière île, l'autre. Parce que je le trouve complètement craqué. Les chasseurs ramèneront le pognon qui traîne par terre, ça m'évitera d'en perdre. Et ouais, le cerf, c'est... De profil, il a l'air fier, mais de face, il a l'air juste mignon. Alors, on va... On va explorer à droite. Faire un mur. Et on explore à droite. Et on casse les arbres sur le chemin qu'on peut. Et un autre chien-chien. Ok. Et là... Pas de pauvre, là il y a un cheval en armure. Moi je l'aime pas, je vous l'avais montré la dernière fois. Je sais pas si vous vous rappelez. Moineau s'en rappelait. Chat, je ne sais pas. Ok. Ça on l'achète de suite. Ça c'est fait. Là il y a un portail. J'en fais un. Sachant que sur la dernière île, il y a plein de portails. Ça, on en fait deux. On a deux portails. Trois portails. Et le ponton. Ok. Cool. Il faisait ch'ting, c'est ça, ouais. Donc à droite, on a trois portails et le ponton. Il n'y a absolument rien d'autre. Je fasse gaffe s'il n'y a pas un petit monstre qui va me tomber dessus. C'est pas qu'il dashait, c'est que quand il fait shitting, les gens autour deviennent invulnérables pendant un instant, peut-être je crois 30 secondes, à un coup donné par un mob. Peut-être que c'est moi qui sais pas m'en servir, mais je le trouve assez nul. Je crois qu'on a perdu notre chien-chien sur la route. C'est pas grave parce qu'il y en a un autre. Sur la dernière île, il n'y a pas de marchands parce que ils veulent pas nous faciliter la vie.
s'en sortir quand même. A priori à droite, il n'y a l'air de pas y avoir de monstre. On va lancer la déforestation à droite. À gauche, pardon, puisque je connais pas ma droite de ma gauche. Il y a plein de forêts, plein de forêts. Et le bateau est pas du bon côté, forcément. Et on va aller voir, bien sûr, parce qu'on va se retrouver avec les statues... S'il y en a, parce que c'est pas tout le temps qu'elle pop, bien sûr. Est-ce qu'on a des hôtels ou est-ce qu'on va se refaire une partie sans aucun hôtel? Un portail. Un petit portail. Un deuxième portail. Des Jean-Jacques. Un ermite, mais on sait pas lequel des deux c'est, puisque sur la dernière île on avait débloqué un ermite, mais que leurs maisons sont identiques, voilà. Élément du gameplay que je n'apprécie absolument pas. Troisième portail. C'est une île qui pop sans hôtel. On n'a absolument aucun moyen d'améliorer le comportement de nos camarades. On va avoir des archers tout nuls tout le long de la partie. C'est relou, j'en ai marre. Et on n'a pas eu de coffre rempli d'or non plus, hein, ce serait trop facile. Tant pis pour le PO. Puisque mon cerf est asthmatique. Et qu'il n'y a pas de pelouse, je peux pas le faire manger. Voilà, bout de pelouse. Il reste encore un portail, voilà. Fichez-moi tranquille. Allez, suis-moi la biche. Non? Non? Oui? Peut-être? Ouais, c'est la pelouse, ouais. Oh, ça va? Ah tiens, tu me donnes une idée de comment on va rajouter. Pour l'instant, j'ai pas de bottes, mais je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire. On améliore le campement. On va s'ennuyer, hein. Ça va être long et pénible. Long et très très pénible, même. Construire un mur plus efficace ici. Je peux pas améliorer le campement encore.
Comme ça, on a le banquier et ça nous évitera de gaspiller du fric. Oh là, il y a un chasseur aventureux qui va dans la forêt, que se passe-t-il? Et la pauvre biche, elle se doute de rien. Il y a un chasseur dans les fourrés. Ça fait 5 fois qu'il lui tire dessus. Enfin, qu'il essaye en tout cas. On déforeste pour avoir plus de lapins. Parce qu'avec plus de lapins, on aura plus d'argent. Que là, il va nous en falloir. Parce que ça va être compliqué. Je crois que des petits campements, en plus on en a que deux, c'est pareil. Sur toute l'île, ça va être long, très très long, très 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 long. Je ne sais pas vous, mais moi je commence à avoir un creux. Oh, extraordinaire, vous avez réussi à les dézinguer en une seule fois. Allez, on continue de déforester. Ah, super, il me manque une pièce. Heureusement qu'il y avait Jean-Jacques le banquier. Et est-ce qu'on a d'autres chasseurs qui se promènent? Hop, viens avec nous, chien-chien. Eux, ça va, ils sont pas trop loin. Par contre, ceux de l'autre côté, c'est compliqué. Hein. On a vraiment une île toute nulle. Le bateau a même pas pop du bon côté, enfin... C'est pourri. Pourri, 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 pourri.
ça va, on a quand même quelques archers un peu efficaces. Plus ou moins, dirons-nous. Allez, le cerf gay, suis-moi. Voilà, parfait. Cool. Bon, on a quand même une grande étendue de pelouse. Donc, on devrait gagner de l'argent pas mal de ce côté-là. Ça va. C'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a, mais... Ah, le serguet. T'aimes pas qu'on tue les serguets? On va ici faire une boulangerie pour attirer un petit camarade. Ah, ça va, ils s'en sortent pas si mal. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Bah oui, bien sûr. C'est bien fait pour ça, non? L'amour, c'est fait pour attirer les gens et après profiter d'eux. Comme des villes. On fait un mur plus solide. Et toi, tu vas venir avec nous parce qu'on va avoir besoin de toi quand on aura fini la tourelle. Allez. On est parti pour attirer les pauvres avec du pain gratuit. Parfait, plein d'argent. Voilà, et comme ça on va pouvoir faire des chevaliers pour attaquer de l'autre côté. Sachant que là il va vraiment falloir qu'on y aille à chaque fois avec deux chevaliers. Vu que nos archers sont tout pourris, allons donner de l'argent au banquier.
Avec une petite lune rouge, avec sa petite musique d'ambiance tout à fait sympathique. Bah les gars, vous avez pas ramené beaucoup de pognon? Ah, c'est parce que vous êtes pas encore tous rentrés. Il y a quelqu'un qui est en train de faire la cuisine chez moi, ça sent super bon. Du coup maintenant j'ai faim. Parfait. On va commencer à construire le mur ici. Pouvoir envoyer les chevaliers quand on en aura à l'assaut. Est-ce que j'ai trouvé le petit panneau de l'île? J'ai pas fait gaffe, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est écrit sur la carte. Flûte, je ne me rappelle plus. Voilà. Mes petits camarades. J'ai pas besoin d'argent, monsieur le banquier. C'est sympa, mais j'en ai pas besoin. Je pense qu'on a assez d'archers pour se permettre de faire ça. Barre-toi, archer. On va se faire des builders en rab parce qu'on va bientôt avoir besoin de la catapulte aussi. Oh, le bateau il est encore super loin de la maison quoi. Ça va être l'enfer. Qui traînent dans les bois, donc on est bon. Nous sommes bons. Ça fait deux fois qu'on a l'île 5 sans l'hôtel des archers, ça commence à être vraiment pénible. Ah, il y a un petit pote. Il était caché. Quand il manque un bout de pain, c'est qu'il y a un petit pote. Oh là, ça fait beaucoup d'argent, c'est bon, merci. C'est ça, gardez-le. On va déposer ça. Pour notre ami le banquier. Oh là, mais il n'y a plus de lumière. C'est dès la nuit, dès la nuit.
Allez, le banquier. Parfait. Et on a réussi à rien gaspiller. Ah, un petit bot. Tiens. Non, tu n'auras pas cet argent. Ah bah on va avoir deux chevaliers, c'est bon. Ah non, ça va faire un builder. Coucou Shiro, comment ça va? Le cerf. Et il manque plus qu'un petit bot. Bonne digestion. Bonne digestion. Et tu manges des crêpes au Nutella au boulot? Je sais pas, est-ce que vous avez tous à faire des crêpes en ce moment? Ça me donne envie de manger des crêpes. Booster même. Ah, cool. Vous avez une cantine au boulot ou c'était un resto à l'extérieur? Oui, c'était la Chandeleur, mais je savais pas qu'il y avait encore beaucoup de gens qui faisaient la Chandeleur. En tant que personne adulte, je me dis que quand j'ai envie de manger des crêpes, je fais des crêpes, j'ai pas besoin de raison. Que ce soit au mois d'août, en janvier ou bien en février. Pas besoin de raison. Ah, cher et pas bon, dommage. Ok. Moi j'aurais bien aimé avoir une cantine entreprise. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais ce n'était pas possible. Oui, c'est un prétexte, mais il y a plein de gens qui mangent des crêpes qu'à cette occasion. Hop, on donne de l'argent parce que hop, chevalier égale a besoin de PV. Et PV du chevalier, c'est des pièces d'or. Non, c'est l'erreur. Je ne voulais pas prendre le boulanger avec moi. Barre-toi. Voilà. Parfait. Et rentre à la maison. Et on les envoie à l'attaque pour casser le premier petit portail qui traîne. Et ouais, je peux prendre un passager. C'est un des ermites. Les ermites, je peux les prendre sur mon cheval. Porter sur mon cheval. Bon sang, je vais y arriver. Est-ce que j'ai un petit mur qui traîne? Parce que moi j'ai besoin d'un petit mur quand même. Ça serait pratique. Ah super, j'en ai un là. Où sont mes builders? J'espère qu'ils courent, ouais, ouais, super. Allez les gars, on se bouge.
J'espère que vous avez commencé par cela. C'était pas exactement ce que j'attendais de toi, mon petit père. Ça, c'est déjà mieux. Voilà. On va me construire un mur là. Vous déplacerez la catapulte plus tard. Ah, se refaire une galette. Ah là là, la frangipane. J'aime bien manger la galette, mais par contre, c'est tellement récurrent qu'une seule fois par an, ça me va très bien. Voilà, donc là, on est bon. Et du coup, on va aller voir comment s'en sortent ceux qui tapent sur le portail. Je pense que c'est un peu la cata. Ça va. La couronne, c'est cette espèce de brioche avec des fruits confits dedans. Qui est provençale. Ok. Bon alors, me dire c'est léger quand c'est de la brioche, je trouve ça un peu bizarre. Parce que pour moi la brioche c'est toujours, j'ai toujours trouvé ça un peu étouffe chrétien. Je sais pas s'il y a une autre expression. Super, on va pouvoir faire une ferme. Bah la brioche pour la faire, faut faire de la pâte, une espèce de simili pâte à pain, donc c'est pas forcément évident non plus. Ah! Il y a plein de petits potes. Et là, il y a plein d'argent. Pauvre lapin. Refaire des builders. Après, si t'as un pétrin ou un robot qui est plutôt efficace, tu peux toujours essayer de faire un stouffa-bec. C'est sympa. Donc là, j'ai fait un mur un peu plus loin de la maison parce que, comme les portails sont loin, faut que les chevaliers aient moins de chemin à parcourir pour que ça aille plus vite. Est-ce que j'ai assez de PO? Je crois qu'il m'en manque une. Cool! Petite pièce? Petite pièce. Pièce. Parfait. Attendez, vous cassez pas le trognon, vous allez en faire un plus grand mur, voilà. Ouais, il y a quelqu'un qui fait la vaisselle et le repas et tout. Il faut que je lui achète un petit tablier avec des froufrous.
Un petit tablier avec des froufrous. Ça te dirait. Les gens veulent voir ça. En fait, c'est une brioche, effectivement, en forme de couronne, et il y a des fruits confits dedans. Et après, je sais pas si c'est comme la pogne où ils mettent de la fleur d'oranger. Parce que la pogne, c'est une grosse brioche en forme de couronne aussi. Et il y a de la fleur d'oranger dedans. On veut voir ça. Il n'y a pas de tablier à froufrou à la maison pour l'instant. Ok, plus léger que la pogne. Bah, en même temps, s'il y a des fruits confits, ceci dit, c'est peut-être un petit peu moins stouff à bec. Bon, il y a un autre petit pot caché. Pas d'autres petits pots cachés. Ah, mais t'inquiète pas, peut-être que je l'achèterai un petit tablier à froufrou. J'en aurai l'occasion. J'ai bien d'argent. Ah, les fruits confits et la fleur d'oranger, ni l'un ni l'autre. Ben voilà, c'est parfait. Nous y sommes parvenus. Ça sent trop bon. Ah, t'as fait des frites. En découpant des pommes de terre et tout. La patience. Alors, quand j'étais petite, moi, le truc que j'adorais manger, c'est les... Comment ça s'appelle? La brioche aux pralines. Tu sais ce que c'est, la brioche aux pralines? C'est une brioche en forme de cake. Donc un peu plutôt pavégulaire. Et dedans, il y a des pralines. Les espèces de machins là en sucre rose avec une amande au milieu. Allez, on va attaquer de l'autre côté. Et ça, t'en mettais plein, il y en avait plein dans la pâte à brioche, et du coup, quand ça cuisait, il y en avait qui tombaient au fond, bien sûr, il y en avait qui restaient sur le dessus, et il y en avait qui étaient fondus et qui s'empilaient sur les coins, enfin sur les extrémités de la brioche. Et du coup, manger l'extrémité de la brioche, c'était manger plus de praline que de brioche. Et j'ai tellement mangé ça, j'en ai tellement mangé des bouts de. Enfin, des extrémités. De praline, de brioche aux pralines, que je me suis écœurée avec. Je ne peux plus manger de praline. Rien qu'en regarder une, ça m'écœure. Mais ça, c'est trop bon. La brioche aux pralines, c'est trop bon. Mais pas les petites. Pas les petites comme ça. Les grandes comme ça. Qui ont une forme de cake. Comme un gâteau. Comme un gâteau pavé. Allez, ça nous fait donc un deuxième portail. Oh là là, il est loin le deuxième portail. Il est loin. Il y a plein de gens qui aiment pas les fruits confits. C'est triste ça. Alors là, ce que vous voyez, ce qui sort du portail, c'est la vague de la nuit. Qui sort. En fait, la vague ne sort pas durant la nuit, elle sort durant le crépuscule, enfin, coucher du soleil. Pour pouvoir être aux portes de la ville, justement, durant la nuit. Du coup, quand on envoie les chevaliers qui mettent du temps à traverser, parfois ils se tapent la vague qui sort de la portail pour la nuit, où
coup ils sont obligés de se défendre contre ça. Et là les archers ils sont en pleine galère parce qu'ils visent mal, alors du coup ça fait presque pas de dégâts au portail quoi. Bah, si t'aimes bien la brioche, les petites, t'as plus de brioche que de praline. Donc c'est un peu moins écœurant. Hop. Petite lune rouge, forcément. Est-ce qu'on... Le petit bruit qu'on vient d'entendre, là, très très fin, c'est le bruit d'un portail qui s'ouvre pour nous dire que de l'autre côté, il y a le gros gros portail qui va arriver et qui va nous faire pop plein de mobs. Parfait. Hop, un petit pote. Oh, il y a un deuxième petit pote. Tu aimes bien les grosses pralines? Eh, hey, c'est Shiro. Alors, on va faire des fermiers, ça nous rapporte de l'argent. Ah, c'est Parmifère qui me disait bravo. Pour la réflexion. On va faire un mur là, peut-être un peu plus solide. Au cas où l'autre casse. Je sais pas si c'est le bon moment pour le faire. On verra. On verra. Pas d'autres petits potes qui traînent. Allez, le builder, on se bouge. Parfait. Je peux te piquer un peu. Ah, oh, tu m'as fait à manger et tout, c'est trop gentil. De quoi? Non, pas encore. J'ai encore un quart d'heure, une demi-heure, puisque je suis partie encore en retard. Non, 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 non. Voilà, c'est bon. Hein? Parce que le monstre qui se barre avec nos amis, c'est pas cool sur moi. Ah bah tiens, il y a un énorme monstre derrière qui va arriver. Aïe! Alors voilà, ce qui nous est arrivé là, c'est qu'il a pris un boulet de canon qui traînait par terre et il nous l'a jeté dessus. Et du coup, ça nous a fait beaucoup de dégâts, ça a fait perdre plein d'argent de bourse. Bon, il va détruire le mur super vite en plus. Est-ce qu'ils vont réussir à le tuer ou est-ce que ça va être l'enfer? Ah, ils y sont parvenus, génial! Génial! Super sur 20. Est-ce que. Ok, il y a rien qui a été reset. Oh là là, c'est la nuit du coup! Oh. Là, ça va être compliqué. Hein. Oh, merci! Merci! Encore merci! C'est ça. Il ne faut pas. Alors, du coup, on va aller voir de l'autre côté. Hein. À quel point ça survit? Parce que du côté droit, ça va, il y a des. Ah, tu veux manger du sucré? Petit pote qui débarque. Tu tombes bien, petit pote. Merci. Super, super, on s'en est sorti, c'est merveilleux. Merci Shiro. Oh, il y a un petit pote qui traîne. Coucou.
Bon, les fermiers, c'est pas encore rentable. On va aller à droite pour déforester un peu. Chasseur a quand même un petit peu plus de place pour chasser des lapins pour nous rapporter de l'argent. Et sympa cette musique. Le royaume, quand il est grand, en plus, les builders, ils passent leur temps à courir. Et ils galèrent tellement à tout traverser. Cassez voir celui-là pendant que vous êtes là. Et après, cassez-vous. Ah, tu veux des frites? Désolé, je ne peux pas en faxer. Ce serait bien un protocole internet pour s'envoyer de la nourriture. Reviens, reviens petit pote, tiens, sois un bon pote, petit pote. Je suis pas dans le thème là. Tu voudrais que je mange quoi? Du lapin? Mais il y a de la pelouse. Non? Le cerf il veut pas manger de pelouse. Bon. Voilà. Là, il y a un petit pote. Ça fait beaucoup d'argent, ça fait beaucoup trop d'argent. On va en baisser pour le banquier. Voilà, je vais aller récupérer celui de l'autre côté. Merci. Les archers qui traversent pour faire des allers-retours, pour chasser. Alors du coup, ce que vous allez faire, voilà, vous allez attaquer. Et
pendant ce temps, nous, on déforeste. Voilà. Le temps qui traverse toute l'île. Est-ce que du coup, le dernier portail est tout à droite? Et après, on va pouvoir construire enfin le bateau. Et nous barrer. Enfin, essayer. Il faudra que je vérifie si j'ai bien récupéré la carte. Parce que je crois que je l'ai oublié dans mon élan. Tout à l'heure, en explorant. C'est trop bien ici. Je vide mon assiette et on me remet de la nourriture dedans. Ah, ça, c'est le deuxième portail. Et le troisième, il est encore à 10 km. On va aller recharger notre serre. Voilà. Recharger les batteries. Et en avant. Vroom vroom. Le service est impec. Un peu de poivre. Ah, ouais, effectivement, il te manquait des PV à toi. Je crois que le portail est là, c'est ça. Allez, archers. Bon courage pour la réunion, Chiro. Bon après-midi. Merci d'être passé. C'était cool. Je sais pas si vous avez vu mais les arches. Thank you.
Oh, j'ai un micro-mute. Pardon. Effectivement. Je ne l'avais point fait exprès. On va chercher un coffre, s'il y en a. Non, vaut mieux que... Ouais, si, il va falloir que je cherche un coffre. On n'a pas d'autre argent, donc... Oui, merci. Non, parfois mon micro, je le mute sans le faire exprès. J'ai un bouton dessus qui est... sur lequel je peux appuyer... involontairement. Du coup, on va parcourir l'île pour au moins essayer de choper un petit coffre. Ou bien mourir. Et redémarrer sur une île plus facile, j'aurais peut-être pas dû essayer de lancer sur l'île 4, l'île 5. Et bienvenue éléphant, bienvenue, je crois que c'est la première fois que je te vois sur le stream et je n'avais pas vu ton premier message. Parce que j'ai lu en travers. Ok. Donc là c'est le côté du gros portail et il n'y a pas de panneau. Pas de panneau, pas de panneau. Il y a un petit mob qui nous a couru après. Ah, il y a un autre petit mob qui nous a couru après. À mon avis qu'il va réussir à se sauver avec le crâne. On va voir. Si mon cheval fait une crise d'asthme, ça va mal se passer pour moi. Oh, super! Super. Bon. Toi, tu viens là. Tu prends un marteau. Et tu nous fais des petits murs. Et on va aller à droite. Voir ce qu'il y a à droite. Et s'il n'y a rien d'intéressant, tant pis, je me laisserai mourir. Et on repartira sur une île plus facile. Je mange en même temps, je suis désolée, j'avais faim. Donc là, il y a le cerf de fou furieux, mais on n'a pas de pognon à dépenser dedans. Là, comme ça, si on meurt, voilà.
maintenant on va se laisser mourir. Ça sera plus simple, comme ça on va redémarrer sur une autre île et on aura le truc de l'île 5 débloqué. Oui, c'est par là, petit monstre, pas là. Parfait. Choper la couronne. Pas de couronne, pas de reine. On est au courant. Voilà. Et qu'est-ce qu'on débloque ? On débloque Unicorn. On va aller sur l'île 3 parce que sur l'île 3 il y a un truc pété aussi. Un truc complètement craqué. Comme ça je démarre le campement. Je sauvegarde. Et on arrête pour cet après-midi. Et on reprendra la semaine prochaine. On a dit une reine. Voilà. Une reine avec une robe jaune, ça ira bien. Allez, quitte le campement, il est par là. Cheval qui fait déjà une crise à ce moment-là, j'y crois pas. Alors, il n'y a pas de fin au jeu. Il n'y a pas de fin. Toi, tu vas venir là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le builder, voilà. Ah mince, c'était pas forcément très malin, j'avais... Oh mince, elle était là, la licorne. Zut, si j'avais su, j'aurais pas dépensé les 3 PO. Bon, on va chercher un coffre. En espérant qu'il traîne un coffre. Y a pas de fin en soi. Le jeu, les jours passent les uns après les autres... Indéfiniment, super, un coffre. Ça nous sauve la vie. On va rentrer pour attraper la licorne. Comme ça, je vais vous montrer ce que fait la licorne et vous allez comprendre pourquoi je voulais absolument la débloquer. On ira explorer l'île à un autre moment. Hop, tu viens, tu viens. Voilà. Elle est belle, hein. Elle est super cool. Donc déjà, elle fait des paillettes roses, et ça, c'est le must. Le builder, il va venir casser les arbres, ça nous rapportera de l'argent. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait la licorne? La licorne, quand elle mange de l'herbe, voilà, elle fait caca des pièces. Et ça, c'est bien. Ça nous arrange même carrément en début de partie. Avec un petit bruit de harpe et tout. Pouloum. Salut, c'est marrant, hein. Voilà. C'est parfait. Et c'est une monture qui s'épuise pas forcément très vite. Mais pas forcément très lentement non plus. Et c'est une monture qui court pas très vite, mais pas particulièrement très lentement non plus. Donc en fait, c'est un truc vraiment average au niveau monture. Par contre, complètement craqué, voilà, en début de game, parce qu'on récupère du pognon super facilement. Ce qui nous arrange quand même carrément. Bon. Sur ce, hop, je vais sauvegarder et quitter. Voilà, comme ça on est bon. Comme ça on pourra démarrer la semaine prochaine sur une île avec les licornes, ça sera pratique. On n'aura qu'à explorer et à trouver des trucs dessus. Donc je vais m'arrêter là.
Comme ça, ça fait pas des streams trop longs. Merci à toutes les personnes qui sont passées. Merci Elephant de m'avoir signalé que j'avais mon micro mute. Désolée de ne pas m'en être rendu compte tout de suite. De ne pas avoir réussi à lire ton message en premier lieu. On se retrouve avec du Kingdom New Lands la semaine prochaine. Comme tous les mardis entre midi et 2. Et sinon, le prochain stream, tout court, ça sera vendredi soir. J'ai décalé mes horaires, donc je vais mettre de 23h à 2h du matin. Parce que 22h c'est un peu tôt pour moi. Et on jouera à... À quoi on joue ? À quoi on joue ? Le vendredi. À The Last Door, voilà, j'ai commencé. The Last Door, donc c'est un jeu... En pixel art, un point and click, ambiance fantastique, un peu creepy, qui est sympa avec une super musique que j'ai découvert la semaine dernière. Voilà, donc s'il y a des gens qui s'intéressent, n'hésitez pas à passer. Merci à toutes les personnes qui sont passées pendant le stream et qui ont fait coucou dans le chat. Et du coup, à vendredi.